Arnold. Alors déjà, merci Arnold. Euh, déjà, merci à Arnold et William de m'avoir euh, invité à, à parler euh, de cette euh, micro-expérience euh, qu'on a testée euh, dans le cadre du MPH avec euh, Denis Ibar. Euh, donc, euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Pascal Crépé, je suis enseignant euh, au département euh, Métis. Euh, donc, et J'interviens euh, notamment dans le, dans le Master de Santé publique, le MPH. Euh, à Paris et euh, essentiellement euh, dans, euh, pendant les, le M1 euh, de ce master. Et euh, je coordonne euh, la, la partie euh, biostat, parce que forcément, euh, personne n'est parfait, mais moi, c'est plutôt euh, les statistiques. Et donc, euh, juste pour vous parler un peu du contexte dans lequel on a réalisé cette, cette expérience, euh, en tout début du cours, on avait un, un, un cours un peu, un peu difficile. Qui euh, s'intéressait, qui, qui essayait de, de transmettre, euh, et de leur faire comprendre ce que c'était que des indicateurs statistiques, euh, des choses relativement basiques. Hein, on parlait de moyenne, de médiane, de variance, etc. Et, euh, donc c'était un cours un peu catalogue. Et le problème qu'on a en, en M1, euh, dans ce MPH, c'est que euh, les étudiants viennent de parcours euh, extrêmement différents. Il euh, y en a certains qui sont médecins, euh, d'autres qui ont fait des stats, d'autres qui viennent de Sciences Po, etc. Certains qui ont une vingtaine d'années, d'autres qui, qui en ont plus de 40. Donc pour qui, euh, moyenne, médiane, etc., même si on a tous vu ça au collège, bah, ça remonte euh, à loin. Et, euh, et donc comme aussi ils ont euh, des expériences, ils viennent de contextes différents, bah, les illustrations, les exemples pour faire passer euh, les messages sont parfois compliqués à, à, à trouver. Et donc, pour résoudre ce problème, on a, avec Denis, essayé d'inverser un peu le processus. Et donc, on leur, depuis deux ans maintenant, on leur donne comme consigne de préparer eux-mêmes un micro-cours sur les notions. Euh, qu'avant on, euh, on leur présentait euh, en, cours, euh, normal, quoi, en cours théorique normal. On leur met à disposition euh, plusieurs manuels de référence. On constitue des groupes de quatre étudiants. Et euh, chaque groupe a deux notions euh, à expliquer euh, dans un temps limité, en respectant certaines contraintes de forme. Euh, voilà, il doit y avoir une diapo sur le contexte, euh, sur la théorie, un exemple les limites de l'indicateur et puis les commandes Stata parce qu'ils utilisent Stata dans le cours et donc ça donne des choses assez intéressantes donc là je vous ai mis un, un exemple de ce qu'avait réalisé un groupe d'étudiants donc c'était sur la construction d'un histogramme où en fait bah donc, voilà, ils mettaient en gros ce que comment enfin, les premières étapes et puis après ils avaient trouvé comme exemple en fait de, ben voilà, de faire un truc un peu manuscrit euh, et d'expliquer pas à pas euh, le processus de façon assez graphique. Et c'était euh, assez marrant et ça a vachement plu. Et ça, ça, ça a rendu le, le, ce, ce petit cours, enfin euh, ce micro-cours sur les histogrammes assez vivant et assez, assez interactif et, et plutôt bien illustré et très compréhensible par, par les étudiants. alors, donc, ce processus, en fait, euh, quand on essaie de l'analyser un peu, euh, on se rend compte que ça a euh, de multiples avantages. Euh, tout d'abord, ça permet de réaliser euh, un apprentissage par les pairs, le, le peer learning, euh, dont on entend parler euh, de temps en temps, euh, qui, euh, qui repose sur l'idée qu'on comprend mieux euh, lorsque ce sont des gens qui sont euh, de notre niveau, lorsque les notions sont expliquées par des gens qui sont, euh, qui sont comme nous. Quoi. Et, euh, et que même quand on euh, explique quelque chose à un collègue, bah, on est plus à même de se mettre dans son contexte et de se mettre à son niveau et donc de trouver les bons mots et les bons, les bons exemples. Euh, C'est aussi euh, un contexte euh, dans lequel l'hétérogénéité des niveaux euh, devient un avantage. Parce que dans le groupe de quatre, il bah, y en a peut-être un ou deux qui ne sont vraiment pas euh, au point sur euh, ce qu'est un histogramme. Mais tu as peut-être les deux autres qui, justement, savent très bien ce que c'est. Et donc, plutôt que de devoir subir un cours sur ce que c'est qu'un histogramme, là, ils sont dans une position où eux-mêmes vont pouvoir faire partager leur savoir et, euh, et expliquer ce que c'est à leurs à leur collègues. Ça permet aussi de diversifier les activités pédagogiques et pas de juste avoir euh, bah, cours, cours magistral d'un côté et activités TD de l'autre. Et, euh, et ça rajoute des euh, objectifs d'apprentissage, à savoir que certes on leur donne des manuels de référence pour illustrer euh, ces données et puis pour avoir la théorie, mais vous vous doutez bien qu'ils euh, bah, vont chercher ailleurs aussi. Quoi. Donc ils vont chercher sur Internet d'autres cours, euh, des vidéos sur YouTube et sur euh, d'autres types de supports. Et donc ça, les, ça leur impose bah, donc, euh, voilà, de se documenter. Et, euh, et aussi de faire attention aux sources qu'ils utilisent et de, de les valider. Et puis euh, dernier point qui est aussi intéressant, c'est que, euh, ben, au moins, au moins pour le groupe de quatre qui enseigne, enfin qui présente euh, la, la notion, ben on est sûr euh, qu'a priori ils l'ont compris. Là, je, je vous cite euh, Boileau euh, euh, sur euh, sur ce point. Voilà. S'ils arrivent à l'expliquer clairement, à l'énoncer clairement, euh, c'est euh, c'est priori bon, bah, ils l'ont. Euh, ils ont conceptualisé euh, la, la notion et, euh, et ils l'ont assimilée. En revanche, ça présente aussi quelques limites et notamment quelques limites euh, que moi personnellement euh, je n'attendais pas. Euh, bon, pour l'enseignant, il euh, ne faut pas se dire que ben, tout d'un coup euh, l'enseignant devient spectateur de son cours et, euh, et, et au final se met, enfin, euh, n'a plus rien à faire parce qu'en en fait, bien au contraire. Euh, on doit encore plus contrôler les sources et encore plus être attentif à ce qui est dit pour pouvoir euh, soit compléter, soit corriger si jamais il euh, y a des choses qui sont euh, soit mal expliquées, soit expliquées de travers ou des choses comme ça. Donc euh, ça demande beaucoup plus, euh, beaucoup plus de travail d'adaptation et euh, de, de rattrapage euh, si jamais il y a des erreurs. En général, moi, ce que je faisais, c'est que je leur faisais envoyer les diabos qu'ils présentaient avant, comme ça je pouvais valider le. Le, les, 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 les grands principes. Pour les étudiants, et c'est là où euh, c'était un peu inattendu, euh, et ben en fait, dans le contexte du MPH, euh, ça a créé un, un micro-stress pour certains étudiants euh, parce qu'ils avaient peur justement que le contenu ne soit pas valide. Parce qu'en effet, si, euh, si tout se passe bien, si c'est bien expliqué, si c'est clair, moi je n'ai pas besoin d'intervenir et donc, euh, donc je laisse les choses se faire. Et euh, mais sauf que, comme c'est des étudiants qui ont présenté la chose, bah eux se demandent si, euh, si c'est du lard ou du cochon, quoi. si c'est vraiment ce qu'il faut, euh, faut croire ce qu'ils ont raconté ou pas. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il donc y a un petit travail d'explication derrière à faire. Et, euh, et chose encore plus étonnante, et ça c'est peut-être le contexte euh, euh, anglo-saxon du, du MPH. Euh, j'ai eu euh, une ou deux réflexions, euh, bon, c'était surtout une, une personne en l'occurrence, mais bon, c'est intéressant de faire commenter ça, euh, qui avait la sensation de ne pas en avoir pour son argent. Parce que en disant, euh, moi j'ai euh, payé euh, relativement cher, même si c'est dix fois moins que ce qu'elle aurait payé aux US, mais j'ai payé relativement cher pour euh, ma place dans ce master, et j'ai payé pour des cours euh, de professeurs, pas pour des cours d'étudiants. Et donc, euh, donc elle avait la sensation de voilà, de, de qu'en gros euh, le, le prof déléguait ses cours euh, aux étudiants et que, euh, et que bah, donc elle avait un, un cours de mauvaise qualité. Euh, alors qu'en fait euh, théoriquement ça devrait être le contraire. Quoi. Et, euh, et dernière, dernière limite, ou en tout cas euh, dernier point de sensibilité, euh, le fait que ce soit encore un processus euh, peu utilisé. Et euh, pas forcément encore totalement euh, validé en termes de processus pédagogique, bah, ça crée euh, potentiellement des craintes, des euh, interrogations sur euh, le bien fondé d'utiliser ce genre de méthode euh, dans ce type de contexte, sachant que voilà que certains étudiants se plaignent que voilà c'est pas, enfin euh, ils ont, euh, ils sont pas habitués à ce genre de ce genre de technique. Donc là aussi, ça montre qu'il y a potentiellement un un travail de communication, d'où aussi l'intérêt de cet expresso sur ce type, euh, type d'approche. Et puis euh, voilà, j'espère que j'ai tenu mon temps. C'est parfait Pascal, on peut, oui bien sûr. Ah, oui. Et je précise aussi que, que Denis a réalisé la même chose euh, côté épidémio euh, euh, au, niveau du, euh, au niveau du M1, et il aura certainement aussi des, des exemples et son expérience à à partager dans la phase de discussion. Avec plaisir. Donc, on va entrer dans cette phase de discussion après les 10-15 minutes de Pascal. Tu as bien tenu ton temps, c'est parfait. Euh, on y va.